Bonsoir. Que l'on soit fan ou non de l'excellente discographie du guitariste Barney Kessel, il y a fort à parier qu'on ne sera, quoi qu'il arrive, pas insensible face à son modèle signature. Voici donc une Gibson Barney Kessel de 1968, une grosse boîte de jazz avec un magnifique morceau d'érable, sauf que donc il y a ce double pan coupé pointu qu'ils appelaient Florentin à l'époque, de Florence, donc la ville en Espagne, et avec deux humbuckers de 68, donc les fameux pattes. Bref, une Gibson vintage qui peut tout à fait couiner avec un crunch comme n'importe quel Gibson des années 60 qui est recherché par tous les collectionneurs du monde et d'ailleurs, mais qui pour autant reste une jazzbox absolument fabuleuse, une guitare très attachante en son clean bien chaud, bien rond, presque sourd, mais juste pas complètement pour pouvoir ressortir dans un disque. Bref, c'est une guitare sublime, j'en veux une quand je serai grand. C'est la Barney Kessel Regular, par opposition à la Custom, et d'ailleurs il y a marqué Custom sur le Cash Truss Road, ce qui montre bien que c'est une Regular. Pour ceux qui suivent, la Custom avait une petite note de musique sur la tête d'ailleurs qui est rallongée façon Super 400. Bref, c'est une gratte éminemment sexy, dans un état royal pour ses 53 ans. Et puis donc, aucune cassure, aucune altération, il y a juste, et ça la rend encore plus attachante, une petite trace du lacet qui a déteint, puisque le propriétaire précédent avait mis un petit lacet autour de la tête, de manière à pouvoir la porter en bandoulière, puisqu'il n'y a pas d'autre attache-sangle sur cette guitare, qui est avant tout destinée à être jouée assis dans un canapé confortable.